plus d'un million et demi d'euros en cash. Ça représente 94 années au SMIC. Autrement dit, un couple qui travaille toute sa vie ne gagnera pas autant d'argent que ce qu'a dépensé le Qatar pour corrompre des élus européens. Et encore, nous en sommes qu'au début de l'enquête. La plupart d'entre nous ne se sont pas vus proposer des mallettes de billets. Par contre, la plupart d'entre nous ont connu le hameçonnage. C'est le nom qu'on donne à une technique qui fait un peu comme si nous étions des poissons qu'on amadouait avec des appâts. Et on a tous reçu ces appâts. Pas plus tard que la semaine dernière, moi j'ai reçu sur ma boîte mail du Parlement une invitation à aller dans un des hôtels les plus luxueux de Bruxelles par l'ambassade du Qatar. Deux semaines avant, c'était une invitation à aller sur place au Qatar visiter des stades, visiter, voir des syndicats pour aller observer la manière dont le Qatar avait mis en place un ensemble de mesures pour la protection sociale et les conditions de travail. Chers collègues, nous devons nous attaquer aux racines de ce scandale et légiférer pour que le lobbying débridé et la corruption ne soient plus comme un poisson dans l'eau au Parlement européen.